Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Nano, on se retrouve pour la suite de l'épisode 3 de Resident Evil 3 Remake. Alors, on avait remis le courant, logiquement Carlos devrait nous parler, non? Carlos, Ah, si, c'est bon. ça y est, j'ai rétabli le courant. Ok. Au travail, prochaine étape, le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais, je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance, partenaire. On n'est pas partenaire. Par contre, alors ce que j'ai vu, c'est que les crochets restent. Enfin, les trucs pour crocheter restent. Donc ça, je ne savais pas. Donc ça va nous servir à crocheter des serrures qu'on n'avait pas crochetées avant. Genre celle-ci déjà. On va commencer par elle. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on crochete. Ça fait plaisir. Ouais, bon, c'était une petite mission. J'aurais aimé pour le pompe, parce que le pompe il m'en reste plus que deux. Et c'est pas fifou. Je vais pas vous mentir, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc pour l'instant, voilà quoi. On avance. Oh! Mais. Un jour, ton cœur m'appartiendra! Ouais, bien ta mère, toi. Attends, tu veux que je me relève? Je vais t'en foutre une de la gueule! Ok. Carlos! Ce monstre est encore vivant! Il est à mes trousses! Quoi? Cours! Reviens à la station! Pas avant d'avoir remis le système en route! Allons-y. Bon bah il y a ça déjà, je m'en souvenais. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouf. Là tu me fais plaisir frère. Ah là tu me fais plaisir. Là tu me remets bien là. Bon allez on y go. Nemesis pour l'instant on l'y a échappé. Mais pendant combien de temps? Je ne sais pas. Eh bah pendant aucun temps. Il va atterrir devant moi, je parie ce con. Allez, nique bien ta race, toi. Si je retrouverai Jill. Allez. On se dépêche. Ah, c'est bon, on y est. Carlos, je suis dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que je fais? Bien, maintenant, faut que tu entres en itinéraire. D'accord, une seconde. Ok, où est-ce qu'on va? Le train est arrêté à Redstone Street. On doit aller à la station Fox Park. Ok. Tu peux programmer ça? Eh, je suis super flic. Donc, logiquement, FA. Et je pense que le machin. C'est qu'il y a deux rails. Je pense, je sais pas. Ensuite, on doit aller à Raccoon Central. Donc, on va marquer 3. Et ensuite, on doit aller à Saint Michael. Donc, ça doit être SA. Et il y en a deux. Parce que je dis 3 parce qu'il y en a une qui est barrée là-haut. Donc, on compte pour 3. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça. Ah, bah voilà. Je sais. Reviens à la station, on va s'assurer que le métro est prêt à partir. Ouh. Ouais, bon, je m'en fous, j'ai pris un petit peu de dégâts, c'est pas grave. On va s'assurer de se barrer. Allez, on y va. Oh putain, non.
Mais t'es sérieux, mec? Oh, il m'a fait peur lui. Désolé madame. Au revoir madame. Non. Dégage mec, Anemesis à mon cul, casse-moi pas les couilles. Ah, ça fait un petit challenge, j'y fais mal. C'est déjà bien. Sinon, ça aurait été trop simple, ça aurait été trop nul. En mode facile, à mon avis, il doit te faire zéro dégâts, c'est... Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir? Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nikolai. Du nouveau? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand il le faut. Eh, hey, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh putain, pas lui. C'est moi que tu cherches. Hein? Hey, je vais faire diversion. Hé, hey, attends! Reviens, Jill! Non! Allez, viens, espèce d'enfoiré! C'est Star ce que tu veux? Ah bah, c'est Star ce que t'auras. Qui va venir dans les égouts? C'est ça en fait. Tu devrais pas t'enfermer. Mais bon. Carlos, tu me reçois? Carlos? Bah ouais, dans les... Les égouts... C'est tendu du cul, hein. Ah, merci. Ok. Ça devrait me servir. Par contre, je sais pas où on s'est mis, mais on s'est mis quelque part. Les égouts, c'est jamais la bonne idée. C'est ce que je disais. C'est pas une bonne idée, ma grande. T'aurais pas dû. Allez. Ok. Ouais. Il nous faut une sorte de fusible, en gros. Ok, y'a rien ici. Ouais, à mon avis, il faut descendre. Allez. Ah bah là. Tu m'étonnes. Bon, y aurait pu avoir pire, ma grande. Est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Oh! C'est quoi ça? Les frères?
Mais c'est quoi ça, mon gars? Mais non! Mais c'est... What the fuck? Moi, je parais qu'il faut les buter, mais c'est quoi? On va aller... On va en dégommer une à coup de grenade. Non mais comment on les bute? C'est ça en fait le souci. Est-ce qu'il faut les buter ou les esquiver? C'est ça en fait que je me demande. La vache, c'était quoi ça? On va redescendre instant. Et en pire, on en a tué une. Donc autant passer en face en mode rapidos. Il y en a une qui est morte. Donc je pense que celle de droite, c'est la plus résistante. Ouais, je pense. Mais c'est quoi en fait cette bestiole? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas une bestiole comme les autres, hein, ça. Oh, oh, je te jure. Des explosifs. Est-ce que je peux le combiner avec quelque chose qui peut être ici? Non, je pense pas. Oh! Alors là, tu m'as trouvé mon petit bébé. Alors là, j'ai mon bébé à moi, ça. Ça, c'est mon bébé, lui. Ça, c'est mon petit bébé. Toi et moi, on va faire des étincelles. Ouais, par contre, j'ai un truc d'explosif, mais j'ai rien pour mélanger avec. Donc en gros, je me retrouve avec une arme où j'ai droit à deux munitions pour péter la gueule de ce connard. Bah je crois qu'une seule munition a suffi. Je crois que j'ai brûlé la gueule de ce connard. Ok. En fait, le moyen le plus cool était de passer à gauche. Ah, de la poudre pour l'explosif. C'est horrible. Aux pompes, je sais pas si j'aurais pu le tuer comme ça facilement. C'est horrible. Ah, c'est bestiole, c'est le chétan. Eh, elles m'ont foutu un petit coup de stress. Et pour qu'un monstre me foute un coup de stress, il en faut vraiment. Eh ben, elle, ça a été le cas. Oh, c'était chelou. Ah, la batterie. Ok. Va falloir jeter un truc. J'ai la batterie, c'est bon. Ok.
Ouais, j'ai rien pour crocheter. C'est génial. Mais je crois que là, j'ai rien pour déposer mes trucs. Non. Ok. Là, c'est génial. Si on peut y retourner plus tard, ce serait cool. Ou après l'épisode, c'est ce que je ferai. J'y retournerai hors vidéo. Pour aller chercher tout ça. Mais on va garder le pompe si une autre bestiole arrive. Histoire de lui faire goûter un peu mon arme. Ouais, il faut beaucoup de munitions pour les tuer. Hein. Elles sont puissantes. Hein. Ouais, je sais pas franchement si ça va suffire ce que j'ai. Hein. Ouais, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui reviennent. Hein. Mais non, mais c'est n'importe quoi ce truc de merde. Allez, on se casse. Je t'ai fait une esquive au bon moment. J'avais peur de me faire dévorer tout cru. Oh, t'imagines, je me serais fait dévorer. Ça se trouve, ça voit Jot, cette merde. Eh, j'aurais été dans la belle merde. Hein. Une bonne grosse merde. Mais pire que grosse. Ouais, allez, faut passer par là. Allons-y. Mais non, c'est n'importe quoi, frère. Est-ce que je peux passer par le portail de droite? Bah, elle est où? Voilà. Non mais tu peux pas rentrer dedans quand même. Elle te met un coup de pression, la bestiole, je te jure. Elle te met un gros coup de pression, mais c'est abusé. Ok. Combiné. Bah je peux pas combiner ah c'était explosif A avec explosif B. Ouais maintenant tu m'auras pas plusieurs fois comme ça mon gros, je te le dis. Allez, on se casse ici. Voilà. Oh, mon Dieu. Ce coup de pression qu'elle te met. C'est tellement abusé. Oh. Ah non, mais plus jamais. Elles sont ultra costauds. Ça se trouve, elles font ultra mal. Bah j'arrive Carlos. Oh
M'en tirer bien. Bah, lance-flamme, lance-roquette et toute la clique, ma grande. Ah, attends. Est-ce qu'on peut donc combiner ça et ça? Ok. Donc ça là. Ça là. On va peut-être garder au moins la grenade. Non, non, pas déposer. La grenade, on la prend. La plante rouge, on la prend. Le crochet, je sais pas si on en aura besoin maintenant, en fait, le crochet. C'est ça, en fait, le souci. C'est ça, en fait, le souci. Bon, allez, on se casse. Mais non, mais frère, t'es où? Oh, il brûle tout. Il faut que je sorte. Vite. Il est en train de tout brûler. Allez, on se casse. Ah là, j'ai pas vu l'échelle. Ouh, j'ai failli avoir chaud mon cul. Avec ma grosse tentacule, yeah. Oh putain, mais il est sérieux lui. Voilà, à mon avis, le prochain c'est un combat. Donc je pense, les amis, que l'on va se laisser là, parce que le prochain, je pense que c'est un combat contre Nemesis. Et donc, je pense qu'on se fera ça juste après. Je vais juste tester pour voir, parce que je crois pas qu'on peut combiner ça et ça. Non. Bah, on va garder le truc explosif. Par contre, est-ce qu'on peut... Le crochet servira à rien. Donc le reste, on peut le garder. Et puis, bah, les amis, nous, on va se laisser là. Mais le prochain épisode, je sais, je vais vous faire patienter. C'est dégueulasse. Mais le prochain épisode, il y a beaucoup de chances qu'on se combat pour la première fois contre Nemesis. En tant que combat de boss. Et bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt. Et à la prochaine pour Resident Evil 3. Allez, ciao ciao tout le monde.